Voilà mes amis, donc bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Ce matin, pour l'accomplissement de notre temps de partage, donc vous vous rappelez que nous avions signifié toute cette proximité pendant le grand carême de Pâques, ici, sur notre lieu. Dans ce retour aux sources du premier christianisme, de revenir aux sources vives, pour se rappeler aussi combien le carême a un sens profondément baptismal, dans le sens de la première Église, à tel point que l'Église, que la Pâque, la fête de Pâques dans laquelle nous sommes, que nous vivons, est une plongée. C'est une plongée dans l'inaccompli du monde, dans des lieux très noirs, comme le Christ l'a vécu et l'a assumé, ces lieux de grandes ténèbres, pour participer, pour confronter, pour affronter, je dirais, le réel, des ténèbres, de la mort, de ce qui nous tue, de ce qui nous captive, de ce qui nous enferme, de ce qui nous déchire, de ce qui nous diabolise, et quitter cette rive des ténèbres, cette rive d'une humanité ordonnée à la finitude, à la mort, à l'emprise, prise au piège, pour un passage au-delà, pour aller rejoindre une terre de liberté, qui est déjà là en chacun d'entre nous. C'est pour ça que nous sommes là. Nous sommes en quête d'une terre, nous sommes en pèlerinage, nous sommes des pèlerins, invités toujours à quitter la terre du connu pour aller vers l'au-delà. C'est ce qui nous met en marche, en route. Saint Paul parlera de cette épectase tendue vers, sans contraction, mais une tension vers une terre dont on a le pressentiment, terre d'accomplissement, terre de liberté, terre d'unité, terre de joie, terre d'amour. Toutes les grandes traditions spirituelles nous le signifient. Mais dans le christianisme, c'est vraiment très, très clairement signifié, dans le judaïsme aussi, mais en tout cas dans le christianisme aussi, ce mouvement qu'on appelle la Pâque, c'est quitter la terre d'esclavage pour aller vers la terre promise, un passage. Ce passage, et Pessar en hébreu, je le rappelais hier et avant-hier, c'est aussi en hébreu, c'est intéressant, la sortie du piège. La matière est piégée. Elle est piégée depuis tellement longtemps. Elle est piégée par l'oubli, par l'amnésie, par la négligence et l'ignorance de ce pourquoi elle a été créée. Elle a été créée pour être tabernacle de la lumière, d'une présence vivante, libre, joie. Et elle a été piégée. Piégée par tout un ensemble de mécanismes, les grands textes bibliques, mythiques, de la Genèse en particulier, nous expliquent cette mort à la suite de l'oubli, de la coupure, de la catastrophe originelle, avec la source. Le drame, c'est ça, le drame, le malheur, c'est ça, c'est l'oubli. C'est un oubli profond qui fait que toutes nos cellules, toutes nos... Je dirais là, on va vraiment dans la matière la plus intime. Notre sang est parasité, est habité, est recouvert d'une couche d'enténèbrement. Comment de plus en plus libérer, comment désincarcérer, comment délivrer Dieu, je pourrais presque le dire comme cela, dans la matière. Comment libérer délivrer la conscience, comment délivrer cette vie lumière qui est là, dans le principe même de notre être, nous rappelle le prologue. C'est la grande aventure de la sortie d'esclavage. C'est vraiment ce thème profond de Pâques. Et donc, Paul vous avait montré le chemin à travers tout son témoignage bouleversant et à travers aussi l'embrasement qu'il a vécu, cet éblouissement qu'il a vécu, qui nous a accompagnés. Et donc, il a passé le relais, je pourrais dire ainsi, pour entrer dans la Semaine Sainte avec ce deuxième grand pilier de la théologie, je dirais, du Nouveau Testament, du premier siècle, c'est l'évangéliste Jean. Et Jean, donc là, on a une quintessence, Paul nous amène dans des climats tellement forts, et on voit à quel point il y a une unité de pensée entre Paul et Jean, très fortement. Bon, Paul, il a vraiment vécu ce combat avec tellement de tribulations. On a l'impression que la vie de Jean est un peu plus facile, quoique, parce qu'il a été quand même beaucoup aussi emprisonné à Patmos. Puis Jean, il a eu la grâce particulière, vous le savez, de prendre chez lui Marie. On va le voir. La grâce de Jean, c'est la présence de Marie, de la Vierge Marie.
Hein, donc son évangile est vraiment une quintessence, c'est aussi l'aigle de Dieu, celui qui, je dirais, nourrit de la présence mariale, mais depuis toujours, Jean, dans cette chasteté, cette pureté de cœur, lorsqu'il est ébloui par la rencontre avec Yeshua, sur les bords du Jourdain sans doute, hein, tout à fait au début du ministère de Jésus, Jean est énamouré de Dieu, il est énamouré du Christ, il tombe amoureux. Dans le sens premier, je ne sais pas comment dire, il tombe amoureux ou il est en amour du Christ. Hein, il voit en lui non pas simplement un maître, un rabbi, quel qu'en soit après l'apparence extérieure ou psychique, son cœur vibre, son cœur, le Messie, la présence divine est là. Jean, dans sa pureté amoureuse, est comme dans cette auscultation des mouvements du monde, il est là à l'écoute du cœur du Logos qui bat, de la Trinité qui bat. Il est vraiment... Et donc, c'est cette quintessence qu'il vient nous signifier. Et donc, vous rappelez qu'on avait proposé avec Jean de prolonger la contemplation avec Paul en entrant donc avec Jean dans ses conférences, dans ses moments, pas de conférences, mais petites contemplations, je dirais, pour donner un peu plus parfois de saillie à travers différents événements qu'on a parfois du mal à entendre. Mais en vérité, surtout... dans l'immense certitude qu'en fait on ne comprend rien à ce qui se passe. Ce n'est pas de l'ordre de la compréhension. On peut comprendre, on peut apporter la raison ne s'oppose pas à la foi. Mais à un moment donné, on est face à des mystères où là, la raison, c'est l'échec de la raison. Ce n'est plus de la raison dont il s'agit. La raison, on peut la comprendre, on peut la saisir. Puis à un moment donné, on est devant l'incompréhensible. Et là, c'est la contemplation. Je ne comprends pas, mais je sens qu'il se passe quelque chose de bouleversant pour le salut du collectif de l'humanité, mais aussi pour chacun d'entre nous. Pour moi, il se passe quelque chose d'important. Je ne sais pas encore quoi, j'ai du mal à mettre des mots dessus, mais je sais que c'est crucial. Ce qui se passe là est crucial. Hein, donc, le propos est simplement d'essayer d'approcher ces thèmes, et donc avec Jean, donc on avait à partir de l'entrée des rameaux, donc dimanche, on avait donc abordé ce thème mardi du rappel de cette grande plongée dans la nuit de l'humanité. Voici la nuit, en lien avec le grand chapitre 12 et 13 de l'évangile de Jean, et en particulier après le lavement des pieds et cette rencontre avec les disciples, hein, et où Judas sort, hein, et ayant pris la bouchée, il faisait nuit. La nuit. Nous sommes dans la nuit. Plongés dans la nuit, avec toutes les symboliques et les nuances, hein, les facettes sémantiques de ce mot, la nuit comme étant pour nous vraiment le monde, le temps des ténèbres, la rencontre avec l'ombre, la rencontre avec des forces de mort, des forces de néantisation, des forces qui ne veulent pas de la présence de la vie, qui ne veulent pas. C'est vraiment, c'est un constat, cette ambiguïté qui nous habite. À la fois on est ivre et affamé et assoiffé de vie éternelle, de réalisation, d'éveil, et en même temps, nous continuons à donner tout pouvoir et autorité à des forces qui nous enferment, inconsciemment. C'est la contradiction de l'être humain, son ambiguïté. Tout nous pousse vraiment vers la sortie et le vécu d'une liberté et d'une joie dont nous avons le pressentiment dans les profondeurs. Et en même temps, de manière presque... inconsciente, presque stupide, comment on pourrait dire ça, en tout cas totalement hors de nous, nous continuons à donner autorité et pouvoir à des forces qui nous maltraitent à l'intérieur, qui nous ligotent, qui nous entravent. C'est une espèce de dualité qui nous habite. Comme si nous avions à laisser Jésus le Christ, comme vainqueur de la mort, pouvoir reconquérir ce qui nous occupe. Nous vivons en territoire occupé. Nous sommes en territoire occupé par des forces. Hein, et donc, la nuit, elle est là. Et Jésus, donc, va rencontrer la nuit. Hein, il va venir, il est la lumière du monde, et il vient rencontrer la nuit pour l'éclairer, pour l'illuminer. Il vient éclairer nos nuits, là, aujourd'hui, personnelles, à travers des maladies, à travers des relations douloureuses, à travers des situations existentielles. Nous sommes, certains, vraiment, dans des nuits. On ne sait plus rien, on ne voit plus rien. On a des choix à faire, au moins pire, mais parfois véritablement attaqué par des choses tellement profondes, dans des moments de détresse, des moments où nous côtoyons parfois aussi même ces ombres et ces ténèbres,
pas simplement personnelle, mais aussi familiale et collective aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, l'humanité est dans la nuit. De plus en plus, elle sombre dans la nuit. Hein, c'est un des aspects de cette fin des temps, ce temps de chaos. Et là, ce que nous rappelle Jésus dans la nuit, hein, c'est que c'est inévitable de passer par la nuit. Si nous ne passons pas par la nuit, il n'y aura pas de jour nouveau. Hein, donc, cette Pâque nous oblige à assumer, hein, et ça je crois que ça va être vraiment un des leitmotifs qu'on va également retrouver aujourd'hui, c'est comment vivre nos nuits de moins en moins en étant objet, mais de plus en plus en étant sujet, en étant debout, en étant conscient, et peut-être en subissant moins, mais progressivement en faisant un choix. C'est-à-dire que tout ce qui va m'arriver, je vais cesser de le vivre comme une victime, mais de plus en plus comme un lieu d'expérience d'une discipline de l'amour, hein, d'être disciple du chemin. Tout ce qu'il m'arrive, c'est au service de l'avènement d'une vie plus haute, plus grande, plus libre, plus vivante. Hein. Et donc cette nuit qui est là, Jean nous le rappelait hier, la deuxième étape qu'on avait vécue, c'est « voici le chemin ». Il nous montre un chemin, au cœur de la nuit. Donc on avait abordé, contemplé rapidement, survolé un peu ces quatre chapitres, hein, fin de 13, 14, 15, 16 et 17 hein, de l'évangile de Jean, où là, à travers ce quadrilatère, on pourrait dire, de repères, un, le programme de notre vie, agapaté, allélous, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ayez de l'agapé. Et la premier constat, d'un point de vue psychophysique, exercice impossible. L'agapé, c'est complètement autre chose. Il ne nous demande pas de nous aimer psychiquement, comme on a l'habitude de nous aimer. L'exercice qui est proposé, l'agapé, c'est de goûter et de faire l'expérience nouvelle qu'il y ait entre nous une circulation d'amour telle que circule l'amour entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'agapé, amour gratuit, totalement hors du concept et des perceptions, de la saisie égotique. Totalement amour gratuit, amour don. Amour qui ne prend rien, amour totalement donné. On peut y goûter de temps en temps, dans des moments de grâce particulières. Agapé, c'est cette qualité d'amour. Hein, pour que nous laissions la place, ou que nous ouvrions nos amours encore peut-être trop captatifs, qui sont ce qu'ils sont, et c'est très bien, il n'y a aucun jugement par rapport à ça. Mais comment on va ouvrir ces amours à un amour tellement plus vaste, plus large? Agapaté, allélous, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Hein, comme je vous ai aimé. Et vraiment ce grand programme, programme de toute notre vie. On est là pour ça. On est là pour ça. On ne sait pas aimer. Et toute notre histoire, c'est d'apprendre à aimer, à innerver nos vies d'agapé. Et c'est la seule question qui restera à la fin. Comment avez-vous aimé? Comment avez-vous reçu l'agapé? C'est cette question qu'on appelle le jugement, en fait, entre guillemets, de l'âme personnelle. On est jugé par l'agapé. On se rend compte que dans la lumière de l'agapé, « Oh, mon Dieu, mais j'ai tellement pas été au rendez-vous !» Et là, oui, là, le jugement, c'est pas quelque chose d'extérieur. On est jugé par l'amour, par un regard d'enfant. Qu'as-tu fait de l'amour? Donc, c'est tout le sens de notre chemin. Deuxième aspect que nous posait Jésus hier, pour vivre ce programme, il y a un enracinement. Il y a une pierre d'angle. C'est « Je suis ». Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, pas seulement parce que, à travers mon enseignement, mais moi-même, dit Jésus, mon être même est chemin. Cheminez avec moi, cheminez en moi, cheminez dans je suis. Hein, parce que je suis la vérité, hein, aletheia, celui qui vous réveille de la lethe, qui vous sort de la léthargie, de l'irréalité, du songe. En vous plongeant dans le réel, hein, la vérité, c'est aletheia en grec, c'est une sortie de la léthe, aletheia, sortie du songe, dans la vigilance, dans la veille. Réveillez-vous, je suis présence éveillante. Et puis Zoé, infiniment vivante, ultra vivante, qui veut transfuser transfuser de vie, hein, votre vie. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, dira Saint Irénée. Le point d'axe pour nous, c'est ne pas lâcher la main de Jésus, de Jésus. Et il nous dira aussi, je suis la vigne, vous êtes les sarments, la greffe au Christ,
c'est le sens du baptême, en l'occurrence, on le rappelait hier. C'est le corps que nous formons tous, nous sommes tous les membres du corps du Christ. Nous sommes tous les membres du Christ, avec des charismes et les places de chacun qui sont donc définies de manière charismatique, hein, en tout cas qui sont posées là. Et là, dans ce pilier, dans ce point fort qui est là, cet axe, on pourrait dire, cet axe tertiel, hein, du Christ comme la structure, troisième aspect qu'il nous apprend hier, c'est maintenant, en se retirant, il nous met en présence de l'Esprit-Saint. Hein, cinq aspects dans ces discours, derniers discours, cinq accès à la présence de l'Esprit-Saint, paraclet, consolateur, avocat, nous l'avons rappelé hier, pas toutes ces définitions hein, de l'Esprit-Saint, principe transdynamisant qui vient nous inviter à passer de l'image à la ressemblance, qui vient finalement accomplir ce que le Christ, d'un point de vue de la nature humaine absolue et totale, a accompli, et comment l'Esprit-Saint va venir nous aider à accomplir ce projet déjà réalisé dans le principe par le Christ, comment il va avoir à s'actualiser dans chacune de nos humanités, c'est-à-dire dans chacune des cellules qui forment le grand corps. L'Esprit-Saint, c'est lui maintenant, à la Pentecôte, mais déjà Jésus nous l'amène, nous le propose. Et finalement, dernier point qu'il nous rappelait hier, tout cela nous invite à nous rappeler notre vocation profonde d'être humain. Hein ? Si vous croyez, si vous m'aimez, si vous faites vraiment ce que je vous dis, si vous obéissez, si vous êtes vraiment dans cette conscience du « je suis », eh bien, mon Père et moi, nous viendrons faire demeure chez vous. Demeure de Dieu. Oh ! La vocation de l'être humain, sa plus grande, sa plus haute destinée, c'est vraiment de devenir des dieux par participation. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est bouleversant ce programme. Quelle confiance Dieu a en chacun d'entre nous. Il s'est déposé de manière inaccomplie et il nous laisse le choix de le prendre en main, que dans la grâce de l'Esprit-Saint, ce merveilleux projet, ce merveilleux dessein d'être fils ou fille soit accompli ou inaccompli. Si nous le prenons en main, il va s'accomplir. Mais Dieu prend un risque énorme, immense. Risque de l'amour, c'est qu'on ne le prenne pas en main, c'est que ça reste quiescent, c'est là où il y a vraiment c'est cette confiance que le Seigneur a en chacun d'entre nous. Je vous ai choisi, je vous ai élu dès avant la fondation du monde pour devenir aimant, immaculé dans le Fils, le grand Fils qui est mon Fils Jésus, le Christ incarné, le Verbe incarné en Jésus. Ce qu'il manifeste en plénitude, ce qu'il vous donne à voir en plénitude, devenez-le. Je vous en prie. C'est comme si le Père disait, mais il y a le choix entre la vie et la mort. La vie, c'est redonner autorité au vivant, à l'être libre, ou la mort, c'est redonner pouvoir et autorité à tout ce qui vous enferme. Et à la fin, hein, en Deutéronome 30, choisissez la vie. Choisissez la vie. Hein, donc voilà, c'est tout ce leitmotiv, et ça Jésus, de manière très forte et très dense, il le dit maintenant, parce que vous le savez, c'est une heure ou deux heures avant la trahison à Gethsémani, c'est un testament de parole, c'est une densité, une parole de très haute densité qu'il nous livre, sur les dernières paroles de Jésus. Donc là, je dirais, c'est comme si là, il était dans une espèce de densification de présence pour vraiment, ce sont les derniers mots de Jésus qu'il nous dit, qu'il nous laisse. Hein, comme un testament, en l'occurrence, à ses disciples encore libres, hein, dans le soir de la Sainte Cène. Et donc là, à l'issue, rappelez-vous de cette offrande, de ces paroles. Hein, donc il est question maintenant, allez, levons-nous, prenons nos manteaux et donc allons sortir. Et là donc, on va le retrouver à Gethsémani, le jardin, en tout cas, Jean ne nomme pas ce jardin Gethsémani, hein, en tout cas le jardin, donc... au-delà du torrent du Kédron, du Cédron, dont on va le voir tout à l'heure. Donc, et là, nous entrons maintenant donc, dans cette troisième conférence, cette troisième proposition aujourd'hui qui va nous conduire plus maintenant dans les derniers temps, les derniers moments en fait, de Jésus, ce qui nous montre à voir de manière très particulière, que Jean nous montre à voir, qui est un peu différent de ce que les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, hein, nous montrent à voir, on va le rappeler.
Hein, là où peut-être il y a quelque chose d'un peu écrasant, d'un peu douloureux et souffrant, parce que c'est aussi la réalité, évidemment, du serviteur souffrant hein, qui est là. Mais Jean, dans sa contemplation aimante, qui écrit l'Évangile en 90-100, hein, donc à la fin du 1er siècle, c'est comme s'il nous rappelle que croix rime avec gloire. La croix est le lieu de la glorification. C'est très, très étrange d'associer ces deux mots. Croix et gloire, c'est le langage paradoxal de la croix. Et là, il rejoint saint Paul complètement. C'est-à-dire que c'est dans le lieu, on l'a rappelé hier et avant-hier, le plus humiliant, le plus terrifiant de l'époque. Le lieu où on attend, voilà, qui est vraiment le lieu le plus déshumanisant que Dieu va célébrer, va laisser son rayonnement de présence se révéler, la gloire. Sa présence se manifeste particulièrement et surtout dans ce lieu totalement impensable. Hein, ce Dieu d'une surprenance étonnante qui vient mettre à bas toutes nos représentations religieuses. On pourrait dire ainsi de ce Dieu tel que le peuple juif pouvait se le représenter de manière très fulgurante. Hein, le mont Sinaï est toujours avec des, je dirais, des manifestations tellement fulgurantes, glorieuses, avec des signes. Hein, c'est ce que recherchait le peuple hébreu. Le peuple grec, on l'a rappelé hier, les nations structurent la pensée, organisent. C'est comme si, en fait, dans un espèce de confort, on crée des conditions où on imagine, où en fait, on met en place des situations où nous pensons trouver Dieu, dans la gloire absolument incroyable, avec des miracles. Et là, Dieu, là, en Jésus-Christ, vient complètement mettre à rebours tout cela. Il déconstruit toutes nos représentations, tous nos désirs de localisation éventuelle. Il vient mettre à bas tout cela, tout explose. Et là, c'est pour ça qu'on n'a rien compris, et on ne comprend encore pas grand-chose. Sur ce lieu-là, où au cœur du lieu le plus humiliant et déshumanisant, c'est là que sa gloire, c'est-à-dire son poids de présence, sa beauté rayonne pour qui sait voir de l'intérieur. C'est là que ça se passe. Et c'est bouleversant, parce que ça veut dire qu'il vient nous rejoindre, nous, en tant qu'êtres humains. Ce n'est pas dans des trucs extraordinaires que nous avons à manifester, dans la pauvreté de notre humanité, dans la défiguration de notre humanité. C'est là, dans la blessure peut-être la plus intime de notre humanité, c'est là que l'être aurait sans doute à se révéler, à se déployer. C'est la fin de tous les exploits, je dirais, extraordinaires, extérieurs. C'est par diminution, hein, dans cette dimension donc en creux qu'il vient nous rejoindre. Et peut-être avant d'aller plus en profondeur, ce matin, donc, on va aborder ces dernières chapitres 18 et 19. Hein, je vous propose, là, il y avait deux questions hein, qui étaient donc là présentes. Je m'excuse, hein, je prends encore le. Je sais pas, c'est les questions que j'ai reçues par SMS. Donc, voilà, donc deux questions. Alors peut-être une question un peu extérieure, enfin extérieure par rapport aussi à l'actualité, enfin actualité, par rapport aussi, on l'a rappelé hier, on y a fait allusion hier à travers ces distinctions des dates de Pâques, hein, orthodoxes, occidentales et donc orientales, avec aujourd'hui, cette année, 5 semaines d'écart. Hein, donc c'est, on rappelait la douleur hein, dans le corps du Christ, hein, de voir cette séparation tellement dense. Donc là, le constat de l'un d'entre nous, le miracle du feu qui ne brûle pas a lieu tous les ans au Saint-Sépulcre. Hein, donc ce miracle du feu où régulièrement le patriarche de Jérusalem vient récupérer le feu dans la crypte, hein, rappelez-vous, de l'église. Hein, donc ce miracle qui a lieu tous les ans à Pâques, à la date du calendrier julien. Pourquoi notre Église n'adopte-t-elle pas cette date la plus probable de la résurrection ? C'est une question effectivement importante. Hein, effectivement, certains. Alors, nous, c'est vrai qu'aujourd'hui, très concrètement, en lien avec. Alors, il y a effectivement deux dates de Pâques, enfin, aujourd'hui, parfois c'est la même date. Je vous rappelle qu'à l'origine, la date de Pâques était définie comme cela. C'était le premier dimanche après la pleine lune, après l'équinoxe du printemps. Équinoxe du printemps, je le refais, hein. Équinoxe du printemps, première pleine lune,
après la pleine lune, le dimanche d'après, c'est Pâques. Donc il y avait vraiment une référence, on pourrait dire presque cosmique, hein, dans cette date, très intéressante en fait. Hein. Après, ça va se compliquer parce qu'à un moment donné, si vous voulez, dans la tradition orthodoxe, c'est très important, elle ne peut être, cette Pâques orthodoxe, chrétienne, qu'après la célébration de la Pâque juive. La Pâque juive étant donc la Pâque du Premier Testament, en tout cas dans la perspective chrétienne. Et donc cette Pâque orthodoxe, elle accomplit la Pâque juive et donc elle ne peut être qu'après la Pâque juive. Et donc dans les différentes logiques de calendrier, c'est ce qui fait que globalement, l'orthodoxie a toujours embrassé effectivement plutôt la date telle que l'Orient la célèbre aujourd'hui et nous l'avons fait pendant très longtemps ici, célébrer la Pâque orientale. Sauf qu'on s'est retrouvé dans une situation assez étonnante ici, en particulier, alors pourquoi pas, on peut l'accepter aussi, mais qui a été un des arguments aussi finalement d'autres fondateurs au niveau de l'orthodoxie occidentale, c'est qu'étant orthodoxe et vivant Pâques, donc mettons comme aujourd'hui 5 semaines après, on se retrouvait avec des fidèles et un peuple royal qui d'ailleurs souvent peut être orthodoxe, mais aussi beaucoup émanant de l'Église catholique romaine ou protestante, et là en fait, eux ont célébré Christ et ressuscité et nous on est encore dans le carême pendant au moins encore 3, 4, 5 semaines. Donc il y avait un décalage pastoral qui était douloureux dans, je dirais, la notion de dans des pays occidentaux qui sont quand même très marqués par le calendrier, c'est normal. Voilà, donc romain, enfin catholique romain, il nous a semblé, ça avait été aussi la demande de l'évêque Jean, hein, le grand restaurateur de l'orthodoxie occidentale en France, hein, de demander aussi cette possibilité au niveau pastoral, bien, d'ajuster la date de Pâques avec la date de Pâques des Occidentaux. Donc voilà, la question est là, il y a des logiques pastorales, là du coup il y a une forme de cohérence où là on est tous ensemble et toutes les communautés autour, catholiques, romaines et protestants, on a l'impression d'être dans un ensemble local en montant vers Pâques. Après, effectivement, du coup, ben, on est un peu à l'écart par rapport au monde orthodoxe byzantin, c'est sûr. Mais c'est vrai que, je rejoins, peut-être qu'à terme, on le verra, hein, c'est peut-être la Pâque byzantine qui serait peut-être la plus juste. Ce que certains disent, bon, voilà. Aujourd'hui, en tout cas, c'est une sacrée question. Et c'est vrai qu'on rappelait hier les ministères, hein, je dirais, très, très forts de ces deux visionnaires contemporaines. Hein, Mirnad Soufanié, d'ailleurs, les deux sont venus ici. Hein, Mirnad Soufanié à Damas. Et Vassoula Riden, hein, donc cette grecque orthodoxe qui travaille beaucoup pour l'unité de l'Église, hein, sur son grand enseignement sur la vraie vie en Dieu, et où là, très clairement, ces deux femmes ont vraiment rappelé sans arrêt la nécessité, la demande du Christ de réunir la date de Pâques en une seule date, vraiment. Hein, donc voilà, donc là, ça dépend maintenant dans les hautes autorités, enfin je dirais, voir avec les patriarches et le pape, et en même temps d'autres, mais c'est une vraie. C'est une vraie demande du Christ aujourd'hui pour signifier l'unité des chrétiens. Célébrer la Pâque des Pâques, l'événement majeur ensemble. Hein, ça, c'est une demande très forte du Christ, hein, actuellement. De tout temps, je dirais, mais là, voilà, c'est particulièrement prégnant. Voilà, et la deuxième question, là, qui fait donc, est plus. Deuxième question, donc, qui est plus. Voilà, qui nous rejoint aussi peut-être plus et qui va nous faire entrer du coup peut-être dans la suite de notre chemin, hein, donc en rejoignant le chapitre 18 et 19, hein, de l'évangile de Jean. C'est une question importante aussi qui va peut-être nous inviter à préciser quelque chose. Comment Jésus, le Christ, prend-il sur lui le péché du monde? Comment Jésus, le Christ, prend-il sur lui le péché du monde? C'est l'expression souvent qu'on entend. Jésus nous a sauvés et il prend le péché du monde, hein, enfin sur lui en fait, hein. Donc la question c'est comment, hein, et est-il possible d'aider à ressentir cette œuvre, hein, donc cette œuvre alchimique, nous dit Jean, c'est ce grand œuvre, comment ça se passe pour lui et comment nous pouvons nous associer à cette œuvre là, hein, comment on peut la sentir, hein, comment ça peut nous rejoindre. Hein? Alors, par rapport à cette question, bon, même si on va le développer un petit peu tout à l'heure, j'aimerais rejoindre finalement les aspects de la tradition. Hein? Donc la question qui est là, c'est comment prend-il le péché du monde? Là, on y est en plein dedans, hein? C'est vraiment le thème. Les évangélistes vont y répondre de manière différente. Voilà, en mettant bien et en posant bien en arrière-plan, que même si on approche de certains mystères, en essayant de les contempler au regard de la tradition, il y a toujours quelque chose de toute façon qui va nous échapper.
Hein, on ne pourra pas tout comprendre. Il y a un mystère d'amour abyssal. C'est une œuvre trinitaire qui nous échappe. Un don d'amour absolument bouleversant qui va être différemment décrit en Occident et en Orient. On va en Occident peut-être plus parler, hein, ça c'est ce que disent certains. En Occident, on va peut-être plus parler, hein, ça je fais référence à quelqu'un comme Grégoire de Nazianze. Dans le christianisme occidental, on va comprendre la rédemption en des catégories plus juridiques, comme satisfaction ou rémunération, voyant même dans le sacrifice parfois du Christ une dette que le Fils paie au Père dans le but d'apaiser sa colère ou de satisfaire sa justice. Hein, vous l'avez entendu, ça, cette notion qu'on a pu parfois recevoir, hein, à travers une pensée pastorale, hein, donc qui est là, qui a pu être très présente, et où là vous le sentez, quelque chose qui a été un peu perverti pour l'orthodoxe, en tout cas dans la pensée du Moyen-Âge, où finalement le Christ pendu à la croix devient un peu comme le puni de la justice divine. Et là, on perd complètement la notion de l'amour, du don d'amour, hein, de cette notion de ce don d'amour. Hein. C'est une interprétation, hein, qui est possible, en tout cas, parce que la manière dont ça peut être appréhendé d'un point de vue pastoral. Et donc, par rapport aux pères orientaux et à la tradition de l'orthodoxie, cette vision, hein, est un peu étrangère. En fait, d'après Grégoire de Nazianze, hein, qui va donc signifier cela, il fallait que, face à tout ce qui se passe, l'humanité fut sanctifiée par un Dieu qui a assumé la nature humaine. Il fallait que lui-même nous libérât en triomphant par sa propre force du tyran, qu'il nous rappelât vers lui par son Fils, qui est le médiateur, donc vers le Père. Et donc ce n'est pas une satisfaction juridique pour l'orthodoxe ou l'oriental, c'est une restauration ontologique de l'être humain. Hein, donc, bon, c'est peut-être des mots un petit peu fumeux pour certains, mais il n'y a pas la notion, vous sentez, au niveau occidental, hein, de cette notion de, voilà, une espèce de satisfaction juridique, mais d'une restauration ontologique de la nature humaine qu'il est venu assumer, le Christ. Et donc, c'est pour répondre à la question, je pars de là, cette vision orthodoxe, donc effectivement, quand on dit qu'il prend le péché du monde sur lui, en fait, il prend le péché du monde d'abord parce que il s'est fait homme. C'est Dieu et homme. Hein? Et donc, on pourrait dire que ce Dieu dont il est question, et ça, c'est ça qui va être compliqué pour, je dirais, pour les traditions monothéistes, je dirais juives aujourd'hui, mais surtout musulmanes, de l'islam, c'est Dieu qui a pu se faire homme. Hein? Cette humanité totalement présente, à côté, dans la même personne, d'une plénitude de la divinité. Vrai Dieu, vrai homme. Hein? Là, je vous pose ça. Peut-être que pour certains, c'est oui, sur le mental, ça commence un peu à chauffer. Acceptons-le, c'est plus une contemplation, je dirais. Hein. Après, il y a la compréhension, on peut l'accueillir, mais après, vraiment l'entendre ou se l'approprier, ça demande du temps et ça demande aussi l'œuvre de l'Esprit-Saint, hein, pour vraiment le recevoir. Donc là, ce qui est unique, hein, ce que nous disent les anciens très clairement, ce qui permet, hein, ce qui fait qu'à la fois il est en contact, on pourrait dire, où il a quelque chose de l'ordre de cette humanité, du péché du monde, c'est que d'abord, il est à la fois Dieu et homme, et qu'il fallait donc que, en Jésus-Christ, Dieu expérimente, hein, la nature humaine. Hein. Alors maintenant, donc ça veut dire que ce qui n'est pas assumé n'est pas guéri, hein, ça c'est la grande parole des anciens, et donc il fallait qu'il puisse assumer cette nature humaine, pour la guérir là où elle était, nous l'avons rappelé tout à l'heure, prise au piège depuis tellement de... Voilà, depuis le début, en ayant oublié le lien avec le Seigneur. La prise au piège. Donc là, Dieu s'est fait homme, Dieu vient nous visiter dans notre humanité. La question qui vient maintenant, c'est comment est-ce qu'il s'est fait homme? Et là, très clairement, les anciens nous disent qu'il s'est fait homme. D'abord, le Christ, donc naissant de la Vierge Marie, il s'est fait homme, première étape, dans l'état où Dieu l'avait créé et tel que Adam l'était à l'origine, avant la catastrophe originelle. C'est-à-dire, à ce moment-là, cette nature humaine, qui était une nature qui tendait vers le bien, qui était exempte du péché, et on pourrait dire qui était impassible, incorruptible et immortelle. D'accord ?
C'est ainsi que, dans une première étape, les anciens définissent cette nature humaine que Jésus vient assumer. C'est d'abord cette nature-là avant la catastrophe originelle, cette humanité qu'il porte. Mais il nous précise aussi, hein, donc je reviens avec toujours la question posée, que par amour pour nous, il va poursuivre sa descente et il va consentir à ne pas simplement rester dans l'incorruptibilité, l'immortalité, etc. Il va aussi s'abaisser volontairement jusqu'à pratiquement renoncer finalement à cette nature impassible et incorruptible, hein, on pourrait le dire ainsi. Et il va donc assumer la nature humaine déchue. Et je dirais la nature humaine déchue, en tout cas les conséquences du péché. Donc ça veut dire quelque part qu'il prend sur lui, hein, donc il prend sur lui la nature corruptible, mortelle de l'être humain. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire par exemple qu'il a volontairement assumé la faim, la soif, la fatigue, la crainte, la peur, les larmes, la douleur, la souffrance, jusqu'en ses formes les plus atroces, et la mort. Finalement, toutes ces imperfections inhérentes à la nature humaine aujourd'hui, qui sont les conséquences de la catastrophe originelle, lui, il les assume pour nous. Par contre, ce qui nous différencie de lui, ou lui de nous, c'est que, étant totalement Dieu, dans une nature humaine, en fait, qui assume les conséquences du péché, mais on l'a rappelé l'autre jour, lui, par contre, on dit qu'il est sans péché, c'est-à-dire qu'il est toujours ajusté et il ne manque jamais, il ne rate jamais la cible. Sa pensée, sa parole, son agir est totalement en adéquation et ordonné à la volonté du Père. Donc, il est sans péché, il ne va jamais pécher, mais dans sa nature, il assume vraiment toutes les conséquences de la catastrophe originelle. C'est en ce sens-là qu'on pourrait dire qu'il a déjà dans sa matière le goût, qu'on pourrait dire, du péché, en tout cas des conséquences de la catastrophe originelle, hein, qu'on appelle le péché originel, en tout cas, originel, enfin, en tout cas, entre guillemets, ça, c'est une notion un peu augustinienne, mais en tout cas, quelque chose donc inhérente à cette nature humaine. Et on pourrait dire que la manière dont il va la porter, c'est d'assumer cela, d'assumer cette finitude. Mais je dirais même qu'il va aller un peu plus loin, il me semble, même si depuis qu'il a vécu cette prédication, on sent bien que dès qu'il va commencer à parler, Verbe fait chair, et lorsqu'il va commencer à, au cœur du monde, traverser tous ces territoires de l'époque, et à part sa parole, rectifier, soulever, on l'a beaucoup dit ces derniers jours, va se révéler de manière très claire des forces qui font obstacle à cette parole. La violence, la toute-puissance, qu'ils ne veulent pas, c'est pas seulement extérieur, c'est aussi en chacun d'entre nous, toutes ces forces, hein, qui ne veulent pas de cette réalité et de cette information de vie. Donc le Christ, très tôt, il va être confronté dans tous ses corps à un refus de l'humanité, au péché de l'humanité, qui dit non, non, je ne veux pas de ça, qui va tout faire pour l'écraser, qui va tout faire pour l'empêcher. Je pense au pouvoir politique, au pouvoir religieux, c'est sûr, mais je dirais toute une humanité aussi qui est là, qui est oubliée, qui est prise au piège, encore une fois, hein. Et coûte que coûte, il va les aimer pour leur dire, mais vous ne savez pas ce que vous faites, je viens vous rappeler sans arrêt ce pourquoi vous avez été créé, hein, pour nous ramener en amont. Donc là, porter le péché ou prendre le péché sur lui, c'est aussi dans sa nature qu'il a assumé pour nous, hein, donc des conséquences, fatigue, souffrance, la mort, la faim. Il va également recueillir sans arrêt, tout en marchant, hein, comme s'il était un peu comme un paratonnerre, il va recueillir sans arrêt, tout au long de sa marche, beaucoup, je dirais, de projections négatives sur lui. De mort. Tous les péchés de l'humanité sont là. La violence, la mort. Mais c'est encore assez contenu, parce que arrive le moment maintenant, et là on est vraiment dans la passion, dernière parole, où là par contre on arrive à un moment donné ultime dans la vie du Christ, en rentrant au rameau, et c'était pour ça qu'il avait aussi à vivre cela. C'est le moment où il va finalement permettre ou lécher à toutes ses forces, parce que c'est l'heure maintenant de la gloire, il va laisser toutes ses forces de mort venir le rejoindre de manière paroxysmique. Et là, c'est sans aucune limite. La violence, tout, il va rencontrer. La trahison,
des amis proches, l'abandon de tous ses amis, les procès totalement manipulés, totalement injustes, déjà tout formaté, hein, on va y rentrer un petit peu dedans, la manipulation de tous les pouvoirs politiques, religieux, il est confronté à la haine, et puis voilà, on passe, il faudrait vraiment contempler certaines passions aujourd'hui visionnaires ou même film de Mel Gibson aussi entre guillemets, qui a été souvent peut-être romancé un petit peu pour certains, mais il y a la réalité d'une violence qu'il a vécue, presque sadique, et on le voit même dans certaines révélations visionnaires. Il est molesté, il est bastonné, il a des coups de pied, il va passer par toutes les bastonnades, vraiment, vraiment, vraiment. Puis la mort sur la croix, enfin, humilié, mis à nu. Il n'y a rien qu'il n'ait pas vécu. Le péché, il le porte sur lui. Ce péché projeté, il va vraiment le vivre. Et c'est ce que dira, on l'avait dit hier, un théologien contemporain, Bertrand Cesboé, qui dira, hein, sur la croix, hein, ce que vient nous dire Jésus, il s'est proclamé le Fils, il nous dit, le problème du mal qui vous écrase, m'écrase moi aussi. Il n'est pas seulement le vôtre, il est aussi le mien. Je le porte. Il est le mien. Il est le mien. J'ai voulu aller jusqu'au bout, avec vous, me faire solidaire de vous pour l'assumer. Le mal, la souffrance, la mort, oui, je sais, je connais, je les ai vécus. Il est vraiment passé au cœur de la réalité du mal, et c'est bien au cœur de cette réalité, de ce désordre, qu'il va y avoir à ensemencer avec la vie. Et c'est important que Jésus soit passé par là, parce que ça veut dire aussi que le fait que Jésus ait assumé cette vulnérabilité, quelque part, et pour tout homme et toute femme, une profonde libération, parce qu'il nous autorise aussi à vivre cette vulnérabilité au cœur de nos passages et de nos nuits. À ne pas se culpabiliser, hein, de notre fragilité. Alors on a l'impression de ne pas assurer. Il est vraiment passé aussi par là. Et donc c'est dans ce sens-là où il prend les péchés, il prend tout, hein, donc à travers ta nature, il prend tout, et en même temps, donc, tout ce péché projeté, hein, il va, rappelez-vous, hein, c'est bouleversant, c'est en fait la croix, c'est l'homme ouvert. Hein, les anciens en parleront comme le grand livre de l'art d'aimer. L'homme ouvert qui prend tout. À la fois ce qui peut être agréable, mais surtout à ce moment-là, à Jérusalem, lorsqu'il est cloué au cœur d'une souffrance monumentale, physique, on peut pas, c'est impensable. Mais également toute la souffrance psychique et spirituelle qui est projetée sur lui. Une haine, il prend tout. All embracing, hein, on dit en Inde. All embracing, il prend tout. Il prend pas, il prend tout. Et ce tout qui est là, c'est totalement nouveau. Par rapport à la violence qui est projetée, c'est comme ça qu'il porte les péchés du monde. Hein. La souffrance, un aspect aussi. Et là, de cela qu'il reçoit, eh bien, il le ramène au cœur, on pourrait dire. Et là, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein, c'est pas moi, je leur pardonne. C'est comme si, en fait, Il y a un lieu de lui-même où, en fait, il est concerné et pas concerné. Je ne sais pas comment dire. Il prend tout ça en lui, sur lui. Il porte tout ce péché du monde. Mais je ne sais pas comment dire. Ça ne va pas rejoindre. Il ne le prend pas de manière personnelle, au niveau égotique, je pourrais dire. Ce qui pourrait le déstructurer, souvent. Il le prend, bien sûr. Il y a une souffrance terrible. Mais tout de suite, en lien avec le Père, et c'est ça qui nous manque beaucoup dans nos histoires humaines. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'il faut. Il le renvoie. Il le porte. Et le renvoie au Père, à la source divine du pardon. Et ça, je crois que c'est une manière pour nous, hein, lorsqu'il est la question qui vient après, c'est comment saisir cela. Je crois que par moment, face à l'inconscient collectif, certains d'entre nous, par moment, on a pu vivre cela, à une petite mesure. Mais devant notre propre bêtise, la bêtise familiale, en tout cas, bêtise inconscience, mais l'inconscience du monde, parfois l'impression qu'on prend la croix, comment ne pas être saisi aujourd'hui par le péché
la structure du péché du monde, le nôtre et le collectif, avec tout ce qui est en train de se passer, on est écrasé par ça. Enfin, on peut être, comment on peut être touché par ça? On le porte aussi, ça. Et je dirais même que assumer cela au cœur de l'Église, c'est de continuer l'œuvre du Christ, comme si dans chacune des cellules que nous formons dans ce corps, donc nous, chacun d'entre nous, en tant que baptisés, c'est comme si l'œuvre de la croix allait se prolonger et se poursuivre jusqu'à la fin des temps. C'est notre responsabilité. Je prends ma part. Je fais partie du corps, et donc je consens à prendre ce qui est douloureux de mon histoire personnelle, mais également du collectif. Je peux surtout éviter de ne pas le prendre, parce que parfois, et c'est très bien si je peux l'éviter, mais il y a des lieux où je ne peux pas l'éviter. Est-ce que je ne peux pas éviter à travers une maladie, à travers mon corps, à travers des souffrances, à travers... Je le prends vraiment pour moi. Le Christ ne parle pas du mal. Il le vit, il le prend, il l'expérimente pour le transformer, pour en faire un chemin, pour opposer à la violence la réponse ultime, bouleversante, qui nous plonge dans le monde nouveau, c'est l'amour. Mais ça c'est inouï, c'est pas humain, il y a l'Esprit Saint qui est là, c'est autre chose, il y a du divin hein, qui est là. Et ça, c'est vraiment la part de responsabilité. Et on découvre qu'à ce moment-là, eh bien, non seulement je porte la croix du Christ, là, à travers l'histoire qui est la mienne, la traversée qui est la mienne, familiale aussi, transgénérationnelle, on sait bien aujourd'hui l'importance de ces transmissions, et puis le collectif de l'humanité. Mais je découvre aussi, de manière bouleversante, qu'au moment où je vis cela, et parfois je l'oublie, c'est le Christ qui m'aide à porter ma croix. Le Christ aussi. Et parfois, hein, on a l'impression qu'il y a un truc qui nous tombe dessus. Et parce que, en fait, il y a l'oubli que le Christ aussi porte notre croix. On porte sa croix et il porte notre croix. Je ne sais pas comment dire. Hein, il y a cette dimension intérieure d'échange. Et là, aujourd'hui, moi, je crois qu'aujourd'hui, hein, il y a une des grandes responsabilités pour nous. On peut bien sûr beaucoup, c'est important de manifester, hein, de témoigner, de dire qu'on n'est pas d'accord. C'est ô combien important qu'il y ait une parole de lanceur d'alerte, hein, qui dénonce et qui puise dans différentes choses. Hein. Très important dans cette extériorisation qu'elle soit là. Mais n'oublions pas, pour nous, le travail aussi d'intériorisation. Bon, cette œuvre alchimique dont on parle, cette alchimie, c'est-à-dire littéralement au niveau spirituel, hein, en étant vigilant avec ces mots, voilà, ces formes d'école, qui aussi un peu. Là, on parle vraiment de cette dimension en Christ. C'est comment, en Christ, hein, dans sa présence, le malheur va être transformé, transfiguré, va être converti littéralement en lumière, en amour. Hein, projection de désordre, de violence, et comment là? Et le lieu de la transmutation, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'organe noble, empereur, hein, qui reçoit l'information, hein, on pourrait dire, et qui là, dans ce travail intérieur, parce que totalement ordonné, réordonné au Christ, à Marie et à la Trinité, ce travail va se faire. Ce n'est pas notre travail, c'est leur travail en nous. Nous, en fait, c'est pratiquement de laisser l'espace libre. Moins, il me semble, on va intervenir de point de vue égotique, et moins ça sera souffrant. Je ne sais pas comment dire. Plus on va intervenir et plus on va vouloir d'un point de vue... Alors c'est ça que c'est important, l'élément moteur est là. Mais je crois qu'on oublie trop souvent que c'est le combat, et le combat du Christ qui se poursuit en chacun d'entre nous. C'est comme si on avait à laisser la place libre. Vous voyez, c'est très important ça. C'est comme si en fait on était vraiment là, c'était réellement un champ de bataille, un espace de combat avec des forces diaboliques, des forces malheureuses, des forces qui nous anéantissent, et d'un autre côté, des forces de lumière. Nous, notre posture, c'est de savoir et d'être, de tout prendre, de tout accepter. Nous sommes là. Et après, c'est très profondément, intérieurement, à qui nous donnons autorité et pouvoir dans le combat. Si on continue à donner autorité et pouvoir par manque de confiance et par oubli de cette dimension du Seigneur en nous, du Christ, parce qu'il y a quelque chose qui s'est dissocié, qui n'y croit pas, qui manque, qui doute, hein, par ce manque, là, on se laisse être la proie et l'objet de ces forces-là ténébreuses, et là, on est embarqué dans de plus en plus de désordre. Il y a une posture, je ne sais pas comment dire, à tenir
au milieu de ça, qui est une posture presque de... qui n'est pas une posture très active, en même temps elle est puissamment présente, je dirais, pour moi, intérieurement, dans l'expérience, c'est la posture de Marie, en fait, de la Vierge Marie. C'est une posture qui apparemment ne fait rien, et qui en même temps... une puissance d'amour, parce que tout est redonné, et tout est redonné autorité au Christ et à Dieu. Tout est redonné. Hein, et c'est là où je crois qu'on peut chanceler, vaciller à un moment donné, et du coup être pris en main par des forces. Et reviens, 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 avec le Christ, ne pas lâcher le Christ, ne pas lâcher. Hein. Cette notion d'autorité, de pouvoir, on va peut-être voilà, y aller maintenant un peu plus maintenant dans, hein, dans, ce, dans, dans la suite de mon propos. Là. Voilà, donc c'est sûr qu'à travers toutes ces logiques-là, donc de positionnement, on est vraiment là au cœur de ce... voilà, de ce mystère profond hein, qui nous porte. Il y aura sans doute beaucoup plus de choses à dire hein, sur ce thème, mais c'est vrai que c'est vraiment très important. Et donc, ceci me permet, donc, si vous le voulez, maintenant, de rejoindre, faire un pas de plus. Et ce moment donc, que je vous propose, là maintenant, encore peut-être trois quarts d'heure, hein, on finira à midi, là, ce matin... après, voici la nuit et voici le chemin, vous pourrez dire, voici l'homme. Ça va être la grande parole qu'on va découvrir là. Ecce homo, voici l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'être homme dans cette dimension-là? Comme si la révélation de notre véritable humanité, c'était au cœur peut-être de ce qui est de plus défiguré en nous. À condition qu'on laisse le passage à quelque chose d'autre, comme une épiphanie, comme une manifestation. Hein, de la présence. Donc, comment Jean va nous conduire là? Jean nous conduit toujours à travers l'ombre, vous le savez, toujours à travers une trace de lumière, hein, ce chemin de lumière qu'il nous montre. Et là, de manière ultime, donc, comment lui a vécu cela? Alors là, dans le texte des deux chapitres, 18-19, on pourrait peut-être séparer, un peu comme hier, notre propos en cinq parties, correspondant en fait aux cinq... aux cinq situations qu'on va être amené à vivre ensemble. Et ce qui va être très important, et ça va être la première étape qu'on va aborder, c'est donc, nous l'avons dit l'autre jour déjà, dans l'évangile de Jean, ce qui est remarquable, hein, c'est la souveraine liberté dont Jésus fait preuve tout au long de cette aventure dans la nuit. À aucun moment il est objet. Pour nous, c'est vraiment important de l'entendre. Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Il est sujet. Il est sujet. On a l'impression qu'il survole, et en même temps, il faut toujours bien sûr mettre en vis-à-vis la passion de Jean, qui pour ça est très enluminée hein, de souveraineté de Jésus. Et puis bien sûr, les passions de Marc, Matthieu et Luc. Hein, bien sûr, c'est vraiment à entendre toutes les quatre passions. Donc là, première information, ce moment donc, de la rencontre, dans le jardin où Jésus entra avec ses disciples. Hein, chapitre 18, maintenant je rejoins le texte un peu plus concrètement. Il n'y a pas la trace vraiment de tous ces combats de Gethsémani dans l'évangile de Jean. Hein. Or Judas, qui le livrait tout de suite, connaissait l'endroit, car Jésus y avait maintes fois réuni ses disciples. Alors il prit la tête de la milice, des gardes, hein, donc il gagna le jardin avec les torches, les lampes, les armes. Donc on est vraiment là dans un climat un peu dramatique, hein, on peut l'imaginer. Et là, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, il sait. Il est là pour ça. L'heure est là. Donc il sait. Il est là. Et donc là, Jésus, sachant, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous ?» Et ils lui répondirent, « Jésus le Nazoréen. » Et il leur dit, « C'est moi. » Or parmi eux se tenait Judas, qui le livrait. Et dès que Jésus leur eut dit « C'est moi », le texte est intéressant, ils eurent un mouvement de recul et ils tombèrent. On se dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Quel souffle !»« C'est moi !» Fou, il n'y a plus personne, enfin les personnes qui sont venues on est vraiment dans de l'art martial, enfin au summum de la... en fait, le texte biblique est intéressant. « C'est moi », en fait, en grec, c'est « égoémie ». Hein, vous le savez, et Egoemi, c'est le nom, le Saint-Nom de Dieu, en fait. Ayez, Asher, ayez.
Jésus dit à ce moment-là, littéralement, et c'est là où les traductions sont un petit peu bizarres, en fait, elles sont un peu édulcorées, « Je suis ». En fait, il dit vraiment, en disant « Je suis », c'est le rayonnement de présence qui sort, c'est une radiation, c'est la présence, c'est la gloire de Dieu, qui est la cavode. Et c'est intenable face à des êtres qui en face sont très mal situés, voilà, psychiquement, haineux, enfin, il y a une puissance d'amour, c'est moi, hein, je suis. Donc, dès que Jésus leur dit « c'est moi », ils eurent un mouvement, à nouveau Jésus leur demanda « qui cherchez-vous ? » Ils répondirent « Jésus le Nazaréen, je vous l'ai dit, c'est moi, à nouveau je suis. Si c'est moi donc que vous cherchez, laissez aller ceci. » C'est ainsi que devait s'accomplir l'Écriture. Et là, Simon-Pierre, qui loin d'être lâche, veut intervenir, rappelez-vous, il tranche l'oreille droite, hein, d'un serviteur du grand prêtre qui s'appelait Malchus, hein, et Jésus dit à Pierre, remets ton glaive dans ton fourreau, comment je ne boirai pas de la coupe que le Père m'a donnée? Et là, la milice avec son commandement et les gardes des Juifs saisirent donc Jésus et le ligotèrent. Hein, donc là, la tentative quand même humaine, hein, de Pierre de protéger son maître. Et Jésus, je suis, c'est l'heure. Je ne peux plus esquiver maintenant tout cela. Hein. Il y aura différence d'autres arguments dans des logiques d'autres. Donc, cette souveraineté, ce qui est intéressant, hein, c'est que à trois reprises, égoïmie. Je suis, je suis, je suis. Le texte, vous le lirez. Comme si quelque part en creux, on avait la sensation déjà, on l'a beaucoup partagé hier, qu'à travers Jésus, c'est aussi la divine Trinité qui est là. Quelque chose de trinitaire, hein, même si Jésus est là. Forcément, là où est Jésus, là est le Père. Et là où est le Père, là est l'Esprit-Saint. Hein, ce égoïmie, c'est moi. Hein, non. Cette liberté. Ma vie, on ne me la prend pas, c'est moi qui la donne. Et là, vous sentez ce moment dans notre vie, dans des expériences douloureuses. Je pense en particulier à des deuils. Je pense en particulier à des deuils, et ça, il faut y aller doucement. Hein, je reconnais en disant cela. Mais le moment, si vous le voulez, où l'être aimé, nous cessons de croire qu'on nous l'a pris, mais qu'on commence à trouver la posture de le donner, ça change radicalement en termes de souffrance. On ne me le prend pas, c'est moi qui le donne. Alors vous me direz, mais comment c'est possible? C'est pas possible de dire ça. Ça demande un changement de paradigme. Ça demande d'entrer dans la logique du royaume, une autre réalité. Et ça, c'est ça qui nous délivre de tous ces lieux d'attachement, nous le rappelions hier, de ces apparemment perdus. Hein, c'est le travail de l'épée, le travail qui fait que tout ce qu'on croit avoir perdu, c'est une invitation à travailler un détachement, à une séparation. Hein, pour aller, hein, la personne qui est née au ciel, elle est vivante encore. Elle est vivante. Elle n'est pas morte. La vie continue dans une autre dimension. Bon, facile à dire, bien sûr, hein, mais quand on est là-dedans, et bien sûr, il y a tout ce travail du deuil à faire, mais c'est vraiment cette notion, hein, de passer de l'état, voilà, de quelque chose de subi à choisi. C'est ce que nous rappelle Jésus. Arrive maintenant l'étape où il va arriver. Donc, il est conduit donc chez le grand prêtre Han, H-A-N-E, hein, qui est donc un parent avec Caïphe. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'il y a en fait la description de ce qui se passe du côté de Pierre, d'une humanité, et enchâssé au milieu, il y a le discours de Jésus avec Han. Vous allez voir ça, c'est très intéressant pour voir déjà ici, dans cet enseignement de Jean, ce qu'il veut nous signifier. Rappelez-vous, je suis donc verset 15, verset chapitre 18. Simon-Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Bon, pour la tradition, cet autre disciple-là, c'est Jean. Jean le bien-aimé, hein, Jean l'évangéliste. Hein, il s'était confirmé par des révélations visionnaires. C'est lui, hein, qui avait donc la possibilité d'entrer dans au palais du grand prêtre. Pierre se tenait à l'extérieur près de la porte. Et le disciple, qui était connu du grand prêtre, s'adressa à la portière, fit entrer Pierre. Et là, rappelez-vous ce moment bouleversant. La jeune servante qui gardait la porte lui dit « N'es-tu pas toi aussi un des disciples de cet homme ?» Pierre répondit, « Je ne suis pas. Je n'en suis pas. » Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise, car il faisait froid et ils se chauffaient, et Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. Donc là, premier reniement de Pierre.
Intéressant avec Jean, hein. Égoïmie, je suis, et Pierre, je ne suis pas. Je n'en suis pas, en fait. Hein. On a l'impression que Pierre n'est pas un lâche, mais il est complètement absent de la situation, il est totalement absent, absorbé par la nuit. La nuit l'a absorbé. Hein. Il donne toute autorité à la nuit, en lui. C'est pas un homme lâche, Pierre, mais il donne toute autorité à la nuit, qui le submerge, il est totalement... En tout cas, je n'en suis pas. Lui qui avait dit, mais jamais, Pierre, si tout le monde, Jésus, si jamais tout le monde t'abandonne, moi, jamais, jamais, moi, jamais, moi. Pierre, il y avait trop de moi, en fait, dans son histoire, vous sentez bien. Et là, Pierre achoppe, hein, il s'en voudra, Pierre, tout au long de sa vie. Je n'en suis pas. Une espèce de démission, dans une forme, à un moment donné, malgré lui, il donne tout pouvoir à la nuit, à l'ombre. Et là, arrive maintenant un moment assez étonnant, où Jésus va complètement nous montrer l'inverse. Le grand prêtre se mit à l'interroger sur ses disciples, son enseignement. Il veut lancer une enquête, le grand prêtre. Et Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, tous les juifs se rassemblaient, je n'ai rien dit en secret, pourquoi est-ce moi que tu interroges? Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté, ils savent bien ce que j'ai dit. » Jésus remet dans le réel. Il ne veut pas être complaisant avec ce tribunal de pacotille, parce qu'en fait, il sait déjà qu'il est condamné par la personne qu'il interroge. Donc Jésus, alors que Anne cherche à enrober un peu cette espèce de truc de discours, Jésus remet dans le réel. Il n'y a pas d'enquête qui soit, vous connaissez tout, allez donc témoigner ou revenir aux sources mêmes de l'information. Vous n'êtes pas dans le réel. Je vous remets dans le réel. Je suis. Vous remets dans le réel. Et là, à ces mots, l'un des gardes qui était là le gifla en disant, c'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Et là Jésus, si j'ai mal parlé, montre en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Deuxième intervention de Jésus, qui remet dans le réel. Jésus, à ce moment-là, tend l'autre joue. Ce n'est pas la même joue. Il est frappé par le garde, et il oppose à la violence l'appel à la conscience. Qu'est-ce que tu fais? Si j'ai mal parlé, montre-le-moi. Et si j'ai bien parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? À la conscience. Opposer à la violence, la conscience. Émanant d'un homme, un sujet, hein, qui est là. Jésus est ligoté, et en même temps il est libre. Il est libre. C'est lui qui en gros est en train de mener par sa présence l'histoire. Et Pierre ressort, et donc les versets continuent. Cependant, Simon-Pierre était là qui se chauffait, on lui dit, mais n'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? Pierre nia en disant, je n'en suis pas, je ne suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l'oreille, lui dit, ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? À nouveau Pierre le nia, et au même moment, un coq chanta. Vous voyez, ces deux situations, donc, à la fois du reniement de Pierre, et au milieu, Pierre qui fait comme il peut, qui est piégé par la nuit, donc il va répondre par un déni. Il renie et il dénie le réel, je ne sais pas comment dire. Et au contraire, au milieu, enchâssé dans ces deux moments de reniement, la personne de Jésus, qui lui est ligotée, mais qui est libre. Pierre, lui, est libre, apparemment, mais en vérité, il est ligoté. Je ne sais pas comment dire ça, Faye. Cet état de liberté intérieure, ça, c'est fondamental dans l'évangile de Jean. Ce n'est pas en termes de bien ou de mal, c'est en termes d'esclavage ou de liberté. Objet, sujet. Pierre est objet. Objectivé par la nuit, objectivé par la... Peut-être par la peur à ce moment-là, très concrète. Hein. Jésus est ligoté et en même temps, il est d'une souveraine liberté. Pierre, comme tous ces êtres, comme Anne, comme
tous ces êtres apparemment sont libres, mais ils sont ligotés, ils sont entravés, ils sont pris au piège. Jésus n'est pas pris au piège. Alors que tout ferait croire extérieurement qu'il est pris au piège, en vérité, il est libre. Mais il va assumer la prise de piège, je ne sais pas comment dire, d'être... Il va faire croire qu'il est pris au piège, enfin faire croire, il plonge dans le piège, sans jamais être pris au piège. Je ne sais pas comment dire. Hein, c'est... Et donc arrive maintenant un autre point, donc cette souveraine liberté, arrive maintenant un point intéressant, qui est vraiment le centre majeur hein, des chapitres qu'on aborde, et ça c'est particulièrement développé chez Jean, c'est la rencontre avec Pilate. Donc on va développer un peu tous ces thèmes dans le texte liturgique. Mais là, je vous propose aussi, c'est extraordinaire ce qui se passe si on lit vraiment le texte avec Pilate. C'est exactement notre histoire aussi intérieure. Je vais essayer un peu de vous le relire, de replacer un peu les choses, et on le reverra très succinctement à travers quelques aspects. Donc, du coup, on a emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur, donc de Pilate, hein, qui est l'autorité romaine. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc les trouver et il dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Et ils répondirent « Si cet individu n'avait pas fait de mal, te l'aurions-nous livré ?» Et Pilate leur dit alors « Prenez-le et jugez-le vous-même suivant votre loi. » Donc Pilate résiste. Les Juifs lui dirent « Il ne vous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » C'est ainsi que devait s'accomplir la parole par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort il devait mourir. Donc là, premier mouvement, Pilate est dehors avec les pouvoirs religieux. Et là, arrive maintenant, Pilate rentre dans la résidence. Vous allez voir, ces sorties, entrées sont très intéressantes dans le texte avec Pilate. C'est exactement notre histoire à nous. On sort et on entre à l'intérieur. Et du coup, à qui on donne l'autorité ? À l'extérieur ou à l'intérieur ? C'est exactement ce qui va se passer. C'est très très étrange comment ce texte vraiment nous ramène à notre vie intérieure et la question de à qui, encore une fois, j'insiste, à qui on donne autorité dans notre vie. C'est la question essentielle. Et ça, c'est très bien montré, je trouve, dans cette dramaturgie avec Pilate. Pilate, donc, rentre dans la résidence et là, il appelle Jésus. Donc, l'intérieur, pour Pilate, c'est Jésus. L'extérieur, c'est les pouvoirs religieux, tout ce qu'il veut aussi faire à l'extérieur, toute la manipulation. Et dès qu'il rentre, il est en lien avec Jésus. Et donc Jésus, c'est « je suis hein, ». C'est l'expérience intérieure, intime. Et là, il interpelle Jésus « Es-tu le roi des Juifs ?» Pilate avait entendu dire tout un ensemble de choses bouleversantes sur Pilate. Puis rappelez-vous aussi quelque chose d'important qui n'est pas bien signifié, enfin qui n'est pas assez signifié, je trouve, les évangiles en parlent un petit peu, mais la femme de Pilate, Claudia, avait rencontré l'enseignement de Jésus. Hein, elle avait eu un rêve, hein, Claudia, rappelez-vous, hein, dans l'évangile de Matthieu. Donc Claudia a raconté à Pilate hein, quelle grâce cet homme, hein, vraisemblablement, quelle grâce habite cet homme. Donc Pilate, il est prévenu, en fait, Pilate, dès le départ, il est prévenu que cet homme il est innocent. Et en fait, Pilate est un homme qui voit qu'il est innocent, mais Pilate, c'est un faible. Et justement, il ne sait pas à qui il donne l'autorité. Il voit. Il vacille. Il n'est pas arrimé. Il n'est pas ancré. Et il va devenir l'objet de force, de manipulation. Complète. Et là, donc, es-tu le roi des Juifs ? Hein, les Juifs, donc, ils lui disent... Et Jésus lui répondit, mais dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? D'où ça vient l'information que tu me donnes ? C'est-à-dire de toi ou des autres ? À qui donnes-tu autorité ? À toi ? Ben, à ton ressenti ? À ce que tu... Ou aux autres ? D'où vient ta parole ? Hein, ce que dit Jésus. Et Pilate lui répondit, est-ce que je suis juif, moi ? Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi ? Qu'as-tu fait ? Donc là, en fait, Pilate, il esquive. Hein. On sent que Jésus voudrait l'amener à une forme de conscience, mais Pilate n'est pas prêt, il ne sera jamais prêt pendant le dialogue, hein, on sait bien, et donc il le voit. Qu'as-tu fait ? Et Jésus répondit, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté, maintenant, elle n'est pas d'ici.
Jésus est en train de décrire donc d'où est sa royauté. Sa royauté n'est pas de ce monde. On a d'ailleurs voulu le faire roi, Jésus, à plusieurs moments. Ce n'est pas une royauté du monde extérieur. C'est une royauté intérieure, ordonnée au Père. C'est une royauté de service. C'est très important ce qui est déposé là, vous savez, parce que, en fait, Jésus vient rejoindre également chacun d'entre nous dans notre humanité. Par notre baptême, et ce que vivront nos sœurs demain à travers cette chrismation, on pose vraiment sur le cœur et le corps des catéchumènes, par le Saint-Crème, la chrismation à la Pentecôte, le sceau, hein, l'empreinte de celui que mon cœur aime. Et celui que mon cœur aime, Jésus, il est en tant qu'homme, roi, prêtre et prophète. Et nous sommes tous, par le baptême, roi, prêtre et prophète. Et aujourd'hui, le drame de notre humanité, c'est qu'on a perdu la vocation de prêtre, roi et prophète. La prêtrise, par exemple, qui est une vocation de communion, communionnelle, d'être en lien, d'être un médiateur entre la lumière et la matière, la communion. On a perdu la prêtrise dès qu'on a fait entrer le mot consommation dans notre monde. Le consommateur. C'est la disparition de la fonction sacerdotale. En nous, la communion. Revenir à la communion. Un exemple. En tout cas, notre royauté aujourd'hui aussi est une royauté, on le sait bien, tellement extériorisée de l'homme par l'homme. C'est une fausse royauté aujourd'hui, une fausse gloire, une fausse royauté. Et nous avons plus que jamais, chacun d'entre nous, à retrouver notre vocation royale, intérieure. Royauté de service. Et qu'est-ce que c'est cette royauté? C'est de prendre soin du royaume et du règne qui est en nous. Et qu'est-ce qui règne en nous? Ben, ce n'est pas encore le Christ qui règne. C'est, pour chacun d'entre nous, c'est encore le monde, le passé, nos peurs. Et puis c'est aussi notre animalité. Enfin, comment dire? Comment le roi peut venir prendre en main et apprivoiser toutes les énergies animales qu'il habite? Dominer, en hébreu, pas de l'extérieur, mais en plongeant à l'intérieur pour les épouser du dedans par l'amour. Cette royauté, elle est encore pour chacun d'entre nous en devenir. Nous ne sommes pas encore des rois et des reines. Parce qu'on est encore, on ne prend pas assez en main toutes les énergies qui habitent dans notre royaume intérieur. Le pouvoir est mal situé. C'est tout le travail que nous avons à faire. Mais là, Jésus, c'est ce qu'il nous rappelle. Il est roi de ce royaume-là, pas de l'extérieur. C'est là. Et donc, Pilate lui dit, tu es donc roi. Et Jésus lui répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Parce que Pilate, sans arrêt, parle d'un roi extérieur. Et lui, Jésus, bon, ben, puisque c'est... Tu dis que je suis roi comme tu dis que je suis roi. Mais je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il est roi et il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Le mot qu'elle a, c'est martyr. Martyrion. Être témoin. Être témoin de la vérité, être témoin de cet état d'éveil. Je suis venu témoigner de la sortie des songes, de la léthargie, de l'endormissement. Je suis venu être témoin du réveil pour vous réveiller, pour vous interpeller. Donc c'est ça que ça veut dire aussi, entre autres, hein, pas que. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et on sent que Jésus voudrait presque inviter Pilate à une forme d'interrogation. Il vient frapper Jésus à la porte de Pilate. Hein. Où es-tu, hein? Plusieurs fois. Et là, Pilate dit, mais qu'est-ce que la vérité? On sent bien qu'il y a quelque chose là. Pilate, il n'y est pas en fait. Hein, il n'est pas là où Jésus l'attend. Bref. Et donc là, sur ce mot, il sort. Il va trouver les Juifs et il dit, mais pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un, donc... que je vous relâche le roi des Juifs, ou bien, non, pas celui-là, Barabbas, Barabbas. Hein, donc rappelez-vous un peu ce dialogue magnifique entre Jésus et Barabbas. Hein, donc ce magnifique, enfin je dirais... Et là, Pilate emmène Jésus pour le faire fouetter. On sent que Pilate, il l'ouvre, il ne veut pas condamner cet homme, donc il gagne du temps. Donc là, il va l'envoyer fouetter. Et donc là, avec beaucoup de dérision, les soldats qui avaient tressé une couronne avec des épines la lui remirent sur la tête.
Ils jetèrent sur lui un manteau de pourpre, ils s'approchaient de lui et disaient « Salut le roi des Juifs !» Et ils se mirent à lui donner des coups. Pilate étant sorti à nouveau, vers les Juifs, « Voyez, je vais vous l'amener dehors, vous devez savoir que je ne trouve aucun motif d'accusation. » Et là, Jésus vient à l'extérieur, et là, comme s'il était un peu ridiculisé, la couronne d'épines et le manteau de pourpre, Pilate, donc ensanglanté déjà par les coups de fouet, les nombreux coups de fouet, Pilate leur dit « Voici l'homme. Ecce homo, voici l'homme. » De manière dérisoire, hein, vous le savez bien, pour Pilate. Mais Jean, il veut nous dire, au lecteur que nous sommes, « voici l'homme aimantant, voici l'homme qui est crucifié, qui commence à être crucifié, l'homme défiguré et qui pourtant manifeste en cet instant une gloire, une présence inouïe. Cet homme bouleversant, d'une majesté au cœur même de son humilité. Il est humilié et il n'y a que sa majesté qui apparaît. C'est comme on pourrait dire un moment d'apocalypsis, de révélation, de dévoilement, de retrait des voiles. Alors que le regard extérieur pourrait ne voir qu'un homme ridiculisé, humilié. Ah, c'est ça la gloire. Voici l'homme, ben d'accord. Le regard intérieur, en fait, est en train de voir qu'à travers même cette humilité ou cette humiliation, il y a la révélation de la présence. Et c'est ça, rappelez-vous, qui a séduit, le mot n'est pas juste, c'est pas le mot séduit, mais qui a aimanté, qui a harponné le cœur de saint François d'Assise devant la croix de San Damiano. Ce Dieu tellement humain que c'en est bouleversant et qui fait que chacun d'entre nous, le plus pauvre défiguré, peut s'y identifier. Il vient vraiment nous rejoindre là, dans une dimension donc bouleversante. Hein. Voici l'homme. Et là, dès que les grands prêtres, donc, rappelez-vous, le virent, crucifie-le, crucifie-le, Pilate leur dit, prenez-le vous-même. Et les Juifs répliquèrent, nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir parce qu'il est fils de Dieu. Et là, lorsque Pilate entendit ce propos, il est de plus en plus effrayé. Hein. Et là, il rentre dans la résidence avec Jésus. Mais d'où est-ce que tu es, toi? C'est une énigme pour Pilate, Jésus. Il ne comprend pas d'où est-ce que tu es. Et Jésus reste sans réponse. C'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier? Jésus lui répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. Dès lors, Pilate cherche à le relâcher, mais le juif de l'extérieur se mirent à crier et il disait, si tu le relâches, tu te conduirais pas comme l'ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. Ils y vont fort, les pouvoirs religieux. Hein. Ils décrètent César comme le référent, en fait, ultime à ce moment-là. Le pouvoir politique qu'ils viennent donc idolâtrer et mettre en exergue. Et là, dès que Pilate entendit les paroles, il rentre à l'intérieur. Hein, et là, il mène Jésus à l'extérieur. Et donc, voici votre roi et leur offre. Vous sentez, pour nous, c'est intéressant, comme je vous le disais, par rapport à Pilate, on s'arrêtera là, c'est nous, on est là au milieu. Jésus est à l'intérieur et l'extérieur, c'est toute une foule vociférante qui peut être tellement d'arguments ou de choses ou de situations. Et là, dehors, intérieur. On est souvent comme Pilate. On ne sait pas trop. On donne pouvoir à quoi? À qui? Et parfois, oh, on donne pouvoir à la voix la plus forte qui crie à l'extérieur pour ne pas décevoir, pour répondre. Hein. Pas de faiblesse, on donne trop de pouvoir à l'homme, à l'humanité, ou à ce qu'on croit être. Et là, au contraire, vers l'intériorité, ces moments de la prière où nous retrouvons la présence de Jésus en nous. Comment, à chaque fois, s'appuyer sur ce texte pour encore une fois, dans toutes les épreuves qui sont les nôtres, et où on peut être sans arrêt déchiré entre les appels extérieurs à qui on pourrait donner autorité par des raisons mentales extérieures, et en même temps la présence invincible du Je suis qui est là. Pilate sort et rentre. Très agité, Pilate. Mais pour nous, c'est quand même, ça peut être le cas parfois dans certains événements de notre vie.
On sort, on entre, on sort, on entre. Et comment parfois, hein, voilà, hein, nos décisions ne sont pas toujours des décisions qui émanent du cœur profond, et parfois on continue en complaisance avec des logiques extérieures, pouvoir répondre à ce que veut l'extérieur, et on trahit l'intérieur. Par peur, par lâcheté, on fait comme on peut, je dirais. Et que parfois, lorsqu'on n'entend pas les vociférations de l'extérieur, « Oui, il faut !» et qu'on entend la voix intérieure, on n'est pas non plus compris. Mais c'est pas grave. On a l'impression qu'il y a une forme de liberté. La liberté. Encore une fois, la liberté. Voilà, Jésus donc va être mis au... donc va être après amené au calvaire, hein, vous le savez. Là, Jean est assez prolixe. Hein. Donc, on continue, chapitre 19 maintenant. C'est là qu'ils crucifièrent avec donc deux autres, un de chaque côté, et au milieu Jésus. Et là, Pilate avait rédigé un écriteau sur la croix, « Jésus, le Nazoréen, le roi des Juifs ». Hein, et vous vous rappelez, cet écriteau, bien que à l'époque les pouvoirs religieux purent le lire, hein, était écrit en hébreu, en latin et en grec. Donc vraiment, c'était l'universel, le message universel, hébreu, latin, grec. Tout le monde pouvait le voir. Et là, rappelez-vous, c'est là où les autorités juives avaient dit il ne fallait pas écrire le roi des Juifs, mais cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. Et Pilate répondit ce que j'ai écrit, j'ai écrit. Là, par contre, il ne va pas se faire avoir. Comment dire, il garde voilà, ça, cet écriteau, en fait. Hein. Il est le roi des Juifs. Voilà, et là après, si vous voulez, pour conclure ce matin, j'aimerais simplement maintenant rejoindre ce moment, encore une fois, bouleversant, sur la croix. Hein, je terminerai par là, si vous le voulez bien. Donc, où Jésus, dans l'évangile de Jean, bien sûr, comme avec les autres évangiles, est mis en croix. Et là, vous vous rappelez, la croix, c'est un moment, tout à l'heure, nous l'avons rappelé, inouï, où en fait, toute l'histoire de la croix, c'était qu'on voulait arrêter que cet homme transmette de la vie. C'est arrêter, crucifier, clouer la vie. Clouer tout ce qui pouvait convertir et s'opposer à ces forces de mort. Clouer, clouer, arrêter, arrêter cette contagion du vivant. C'était ça, c'était insupportable, et ça mettait trop en difficulté, et peut-être de manière réelle, ça pouvait mettre aussi en voilà, tous les pouvoirs de l'époque religieux, vraiment, arrêter ce mouvement de vie, coûte que coûte. Et là, ce qui est bouleversant sur la croix, c'est que cet homme crucifié, à travers cette parole de vie, il ne va pas arrêter de transmettre de la vie. Cette parole. Hein, on ne va pas les approfondir, on l'a beaucoup fait ces dernières années. Mais cette parole où il va sans arrêt venir rejoindre les êtres pour leur donner la possibilité de surcroît de vie. Hein, au larron qui demandait la grâce du pardon, hein, ce larron d'Ismas qui alors qu'il est crucifié avec l'autre larron, qui a peut-être maltraité pendant des années l'humanité, cet homme est touché au plus profond par la présence de Jésus et sans doute par la présence de sa mère en dessous. Ce qui se passe là entre Jésus, Marie, Jean et puis les femmes, deux, trois femmes qui restent, convertit Dismas, le larron. L'autre continue à blasphémer et Dismas blasphémait au début et puis il voit. Il est en train de regarder quelque chose. Il est touché au cœur. À la dernière minute, aux dernières minutes de sa vie, cet homme demande pardon. Sur la croix, au cœur d'un événement tellement douloureux et souffrant, conversion du bon larron. Et le premier, Jésus dira, aujourd'hui je te le dis, tu viendras avec moi en paradis. Celui, l'être humain qui rentre le premier en paradis avec Jésus, c'est un larron, un brigand. Qui attire donc ce mouvement de l'humanité. Le lien, la relation. Hein, ces moments bouleversants, rappelez-vous, hein, père, pardonneur, ils ne savent pas ce qu'ils font, donc là, c'est ce lien au père aussi, bien sûr. Hein. Cette parole aussi bouleversante, hein, pourquoi père m'as-tu abandonné ? Hein, et là, vous savez que Jésus fait l'expérience bouleversante d'une éclipse de sa divinité. Il ne sent plus Dieu. Hein, certains diront qu'il chante le psaume 22, et c'est une réalité. Mais Jésus, il y a peut-être pire que la mort, c'est de mourir sans Dieu, c'est d'être athée, athéos.
C'est comme si Jésus, au-delà de la mort, il fallait qu'il rejoigne le lieu sans Dieu, le lieu déserté de Dieu, athéos. Eh bien, Jésus va jusque-là. À un moment donné, il est athéos. Il rejoint l'athée le plus douloureux. Demain, nous le vivrons, ce chemin de croix. Athéos. Cette bouleversante parole du patriarche Bartholomée. Jésus a comme une éclipse momentanée de sa divinité. Il est vrai Dieu toujours, mais il ne sent plus. Il ne sent plus. Et là, il rejoint tous les hommes, perdus, ignorants de Dieu. Toute l'humanité, dira André Frossard, est christifiée à ce moment-là. Il rejoint toute l'humanité, même les athées les plus douloureux. Il a expérimenté, il a assumé aussi cet état-là. Il ne sent plus. Il ne sent plus rien. L'abandon. Hein, c'est cette expérience aussi qu'il montre. Et puis, avec Jean, donc, ces trois paroles qui sont bouleversantes, c'est ce qui se passe avec la Vierge Marie. Ça, je crois que c'est vraiment une parole qui est très importante pour nous, rappelez-vous, sous la croix, Jésus, avec Marie, la sœur de Marie, hein, qui est donc la belle-sœur de Marie, qui est en fait l'épouse du frère de Joseph, hein, Alphée, donc Marie, qui s'appelle Marie, et Marie de Magdala. Hein, c'est trois femmes qui sont là. Et voyant ainsi sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, vous rappelez, Jésus dit, alors, le texte grec est très intéressant. Le verset 25, chapitre 19, hein, on termine encore 5-10 minutes. Le verset 25 nous dit, près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, en fait c'est la belle-sœur, et Marie de Magdala. Et le verset 26, c'est intéressant, voyant ainsi la mère, la traduction n'est pas bonne là, sa mère, dans le texte grec, c'est la mère. Comme si, en fait, on passe de sa mère à la mère. Dans la traduction, ce que nous fait comprendre Jean, c'est que c'est comme si Jésus était en train de lâcher, d'ouvrir ou d'offrir sa mère, c'est plus sa mère, c'est la mère. La mère, dans une universalisation de sa maternité, on pourrait dire ainsi. C'est comme ça que certains vont l'interpréter. Et c'est pour ça qu'au moment où il va parler, comme il l'avait dit aux noces de Cana, il ne dit pas mère, ima, il dit femme, il dit isha en hébreu. On pourrait dire un truc comme ça. Comme il avait dit isha aux noces de Cana. Isha, et là il remet Marie dans une dimension collective. Cette dimension d'une maternité collective. Cette dimension d'une mère qui vient fonder toute la création, cette dimension des profondeurs de la création, comme si là, on touchait à une maternité collective. Isha, voici ton fils. D'abord, il s'adresse à la mère, et il confie à la mère Jean, le fils. Mais en vérité, à travers Jean, ce que vont dire certains, c'est que ce n'est pas uniquement que Jean qui est confié, c'est l'humanité entière. Chacun d'entre nous, sous la croix, à ce moment-là, nous recevons Marie, comme mère. Et certains diront que c'est là la naissance, un des lieux de naissance de l'Église, du corps de l'Église. Cette dimension mariale, profonde, qui est un des grands, grands moments aujourd'hui, plus que jamais, de redonner cette qualité, hein, de cette Marie comme l'Église comme mère, hein, comme mère, je ne parle pas de celle de l'Église institution, mais de ce lieu où chacun d'entre nous, humanité en devenir, nous sommes dans une école, les uns avec les autres et les uns par les autres avec le sacrement, où nous apprenons ensemble à devenir fils et filles du Père, agenouillés et répondant à l'appel du Seigneur. Les uns par les autres, par les sacrements, la guérison, libérer la matière à travers les sacrements pour devenir enfin ce que nous sommes. L'Église, c'est comme Marie, elle est une mère. Elle nous accouche à « je suis ». La mère. Et en même temps, ce que dit aussi Jésus au fils qu'est Jean, et que nous sommes tous, voici ta mère. Et là, pratiquement, on pourrait dire, le texte dit après, prends-la chez toi, intègre-la, prends-la chez toi, voici ta mère, voici ta mère. Hein, c'est désormais en elle et avec elle que
tu vas pouvoir toucher à cette maternité profonde, intérieure. Hein, comme si, en prenant Marie chez nous, vraiment nous recevions cette présence, mais simplement, ce n'est pas une présence simplement extérieure, c'est une présence intérieure. Nous réveillons en nous l'archétype, la présence de Marie. Marie est fondamentale dans notre vie. Et du coup, elle va nous apprendre, Marie, à prendre soin de notre maternité intérieure. Parce que finalement, dans l'histoire, ça peut paraître étonnant de vous dire ça, mais vous le savez aussi, c'est que finalement, nous sommes enceintes, hommes et femmes. Nos âmes sont enceintes de « je suis ». Et que nous avons à mettre au monde « je suis ». Devenez ma mère, dira Jésus, dans un autre moment. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, l'un des grands enjeux pour les temps actuels, pour cette fin de temps, qu'on soit homme ou femme, c'est la réappropriation de la maternité intérieure. Nous sommes des mères du « je suis ». Nous sommes d'autres maris. Enfin, quelque part, chacun d'entre nous, on a à mettre au monde le Dieu que nous sommes en devenir. Enfin, ce sont d'autres mots que je vous ai rappelé. Et l'oubli de la maternité, c'est une erreur. D'où c'est l'oubli également, on pourrait dire, des profondeurs. C'est l'oubli, l'attentat à la création actuelle, à la mer, à la grande mer des océans, avec la terre-mère. L'oubli de la mer intérieure de Marie, ça se projette actuellement dans les drames écologiques que nous vivons, et toute la dramaturgie, toute la matière. Se réapproprier la mère, c'est prendre Marie chez nous. Le mot grec est très fort, hein, c'est vraiment, le disciple l'a pris chez lui, littéralement, il l'intégra. Il la prend en lui, je ne sais pas comment dire. Hein, et là, donc, on a l'impression de Jean qui prend Marie désormais chez lui. Hein, la grâce de l'évangile de Jean, c'est Marie. C'est Marie. Marie. Quelle grâce. Vous savez qu'elle est éminemment présente aujourd'hui. Aujourd'hui, Marie, je pense en particulier quelqu'un comme Grignon de Montfort, mais également d'autres révélations contemporaines, nous rappellent que pour les temps actuels, la fin des temps, Marie prépare les êtres pour la fin de ces temps. Elle est essentielle aujourd'hui, Marie. Essentielle. C'est la messagère de la divine Trinité. C'est solidaire de notre humanité. Elle est vraiment essentielle. Et pas simplement en tant que dévotion extérieure, mais aussi ô combien elle est importante à travers les pratiques que nous connaissons. Mais cette dévotion intérieure, ce lieu intérieur, cette présence mariale, la faire naître en nous. Et puis de manière ultime, hein, avant que Jésus rende l'esprit, c'est simplement dire quelques mots hein, sur ce mot magnifique dans l'évangile de Jean, qui récapitule tout pour moi aussi. J'ai soif. C'est une des paroles sur la croix. J'ai soif, et pas seulement parce que Jésus, combien il a tellement d'heures, il est sous le soleil, donc il est assoiffé, bien sûr, il y a la soif extérieure. Et vous sentez, Jésus à la croix, c'est en fait les bras ouverts. Il nous dit à chacun, mais j'ai soif. C'est-à-dire en lien avec la femme samaritaine, l'évangile en Jean 4, donne-moi à boire. Mais j'ai soif de toi. Homme, femme, j'ai soif de ton accomplissement, j'ai soif de ton devenir, j'ai soif de cette humanité, j'ai donné ma vie pour ça, je suis mort par amour pour vous, et j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre réponse, de l'amour, de votre amour à mon amour, j'ai soif de votre amour, j'ai soif de votre vie, j'ai soif de votre accomplissement, j'ai soif de l'homme nouveau. À travers ce mot, il nous appelle, il nous aimante, il nous inspire à devenir ce que nous sommes. J'ai tellement soif que vous deveniez enfin ce pour quoi vous avez été créé, ce que je n'ai pas cessé de vous montrer, et jusqu'à en mourir, jusqu'à l'extrême. J'ai soif de vous, de votre accomplissement. Et là, il rend l'esprit, nous dit le texte, tout est accompli. L'accomplissement, en ce qui le concerne, c'est accompli. C'est accompli. Je ne pouvais pas aller plus loin que ce que j'ai accompli. Je ne pouvais pas faire mieux. On pourrait dire comme ça. Je suis allé au bout. Au bout du bout du bout.
Bien sûr, ça s'accomplira par la résurrection. Je ne pouvais pas descendre dans la nuit plus loin que je l'ai expérimenté pour vous et avec vous. C'est accompli. Hein, et il rend l'esprit. Et là, c'est intéressant pour dire que jusqu'à rendre l'esprit, le mot qui est là en hébreu, c'est le mot paridoken, littéralement paridoken, topneuma, paradosis, il livre l'esprit. Il le livre. Je ne sais pas comment dire. Il y a une notion, en fait, où là, il va jusqu'à Jésus, fils de Dieu, transmet l'esprit. Il rend le souffle, mais même le souffle, il le rend. Alors, il le donne au Père, hein. Mais aussi à chacun d'entre nous, c'est comme si en fait, jusqu'au bout, même le souffle, il s'est donné, il a tout donné de lui, jusqu'à même sa, voilà, l'éclipse de sa divinité, il a tout donné, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien à l'intérieur. Il a tout donné, il n'y a plus rien. Même son souffle, il le rend, il rend tout, il rend tout, il rend tout. C'est pour ça qu'ayant tout rendu, nous dirons les anciens, la mort ne peut rien prendre, elle ne peut rien saisir. La résurrection. Le secret de la mort, le secret de la vie, c'est ça, c'est de tout donner, de ne rien garder pour soi. Ce que la mort pourra nous prendre, c'est ce qu'on aura gardé. Ne rien garder, donner jusqu'au bout. Hein, ça, c'est vraiment cette grande expérience que nous propose le Christ hein, dans cette expérience. Hein, ce qui ferait dire, finalement, à un contemporain... Un théologien contemporain, je terminerai par là, peut-être cette parole étonnante. Le mystère pascal, finalement, est un mystère vraiment trinitaire. Ils sont trois dans la mort de Jésus. Le Père, qui dans son amour donne à Jésus de mourir vers lui. Le Fils bien-aimé, qui dans l'amour va vers le Père. L'Esprit Saint, puissance d'amour par laquelle le Père attire le Fils, par laquelle le Fils se laisse lever dans le Père, ils sont trois. En sa mort, Jésus est le lieu dans lequel la divine Trinité célèbre, en tout cas, dans lequel l'éternel mystère céleste se célèbre dans le monde. Annick de Chouvenel ira même plus loin. Annick, notre matriarche, un peu, à travers... une expérience étonnante, en tout cas à travers l'explication également en hébreu. C'est intéressant avec ces mots en fait qu'elle dit, je trouve que c'est une proposition aussi. C'est comme si en Jésus, le Père meurt également en Jésus. Je ne sais pas comment dire. Il y a quelque chose d'une trinité qui fait qu'on aurait souvent la sensation de quelque chose qui fait que le Père... On est tellement aux antipodes de la notion que le Père envoie son fils à la boucherie pour, enfin, pas comment dire, pour réparer les péchés. C'est vraiment pour entendre que vraiment sur la croix, en Jésus et à travers Jésus, c'est l'œuvre d'une trinité bouleversante qui vient encore, on l'avait dit, prendre à rebours toutes nos images de gloire divine pour nous déposer là un mystère d'amour. Voilà. Je vais simplement m'arrêter là. Hein, donc. La fin de Jésus, vous le savez, donc, c'est dans l'évangile de Jean, à cause du Shabbat, hein, le fait, en tout cas c'est ce qui a été proposé, de briser les membres. Mais Jésus était déjà mort, et vous vous rappelez qu'au moment où la lance donc, de l'évangile de Jean, du centurion transfixe hein, le cœur de Jésus, le flanc, eh bien il y a du sang et de l'eau qui apparaît. C'est comme si en fait pour certains, ce sang et cette eau qui apparaît, c'est une réalité physiologique aussi. Hein. C'est comme si là il y avait... dans la tradition, pratiquement sortant du sein de Jésus, le baptême qui est là et l'Eucharistie. L'eau du baptême et l'Eucharistie, les sacrements. C'est comme si du côté de Jésus naissait l'Église, tous les sacrements qui vont fonder l'Église. C'est pour certains, voilà, dans la tradition, différentes approches, différentes explications. Puis la mise au tombeau, vous savez, avec Joseph d'Arimathie, nous vivrons tout ça demain. Donc Nicodème, le mélange de myrrhe et d'aloès, et Jésus qui désormais repose dans un jardin neuf, un sépulcre neuf. Dieu repose dans l'humilité d'un sépulcre neuf. Nous le vivrons demain. Le jeudi, tout se dit. Le vendredi, tout se vit. Et le samedi, tout se tait. Et le dimanche, tout revit. Voilà, nous puissions
laisser maintenant la parole en suspension. Hein. On va donc rentrer maintenant peut-être dans un petit moment de silence. Hein. Je reconnais que c'est assez dense, hein, ces propositions. C'est vrai que ce n'est que le matin aussi. Hein. Ça permet peut-être de laisser décanter durant la journée. Ce sont des propos qui sont une période tellement, tellement particulière. Tellement particulière. C'est bouleversant. Jusqu'où Dieu nous a aimés. Combien il nous aime. Parce que... Pourquoi tout ça? Pourquoi ou pour qui tout cela? Pourquoi? Pour qui plutôt? Et la réponse, elle est difficile à entendre, en tout cas. Elle peut être étonnante à entendre. C'est pour toi. Pour toi. Homme, femme, frère, sœur. Pour toi. Pour chacun d'entre nous. Tout a été assumé.